avait déjà un RER sur le quai. J'avais le choix entre deux portes, une porte à droite, une porte à gauche. J'ai jamais pu expliquer, encore moins aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi la porte de droite. En fait, la porte de droite correspondait au wagon qui était derrière celui qui a explosé. Donc si j'avais pris la porte qui se positionnait à ma gauche, j'étais dans le wagon qui explosait. Donc c'est vrai que je suis sauvée. Et pour moi, ce jour est important parce que j'aurais pu avoir mon nom sur la plaque aussi à côté des autres, puis de revoir leur âge, toute l'histoire, tous les témoignages de leur famille, tous ceux qui restent. C'est très très dur parce qu'en fait, en voyant leur nom, je réentends les témoignages sur leur vie, sur leur parcours, sur tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est important d'abord en mémoire de ceux qui sont morts. C'est important pour les blessés, dont les blessures ne se referment pas. Et c'est aussi notre façon de lutter contre l'oubli et de dire qu'il faut rester vigilant face à ces menaces, qui ne sont pas que des menaces, qui sont aujourd'hui une réalité, et une réalité dont les populations civiles vont souffrir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années.